Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur les hauteurs de Rouen. Si vous connaissez un peu cette ville, c'est un endroit où il faut se rendre, le fameux panorama qui vous permet de voir toute la ville de Rouen. C'est très beau. On est aujourd'hui le samedi et comme tous les samedis en ce moment, il se passe des choses bizarres en ville. Et on va aujourd'hui vous présenter une tenue adaptée à la saison. Le printemps va vite refaire surface, les températures hivernales vont un petit peu remonter. Donc on est aujourd'hui dans une météo qui est assez changeante, assez humide. Il fait à peu près 8-9 degrés grand maximum. Et on va être équipé aujourd'hui de la tenue Aller Cycling et la gamme climatique. Une gamme qui est vraiment adaptée à cette saison. On va alors rouler aux alentours de Rouen pour vous parler de cette tenue. Allez, on se donne rendez-vous sur la route. C'est parti! Allez, on se retrouve! L'avantage d'une ville, c'est que parfois dans les villes, il y a des infrastructures pour cyclistes. Ici, on est sur les quais avec une belle voie cyclable. On va essayer de l'emprunter un peu, on va voir où ça nous mène. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de la ville de Rouen, mais on est là pour parler de cette tenue. Vous la voyez, j'en suis sûr, vu la couleur, hein, un jaune bien flashy ici. C'est l'avantage de cette tenue. Elle existe à la fois en noir ou en jaune fluo, normal. Elle est prévue pour le printemps, donc qui dit printemps et qui dit automne dit visibilité réduite. Pour être vu, on aime ce genre de couleur flashy. Vous êtes souvent nombreux à me le dire dans les commentaires. Cédric, tu es trop habillé en noir. Eh bien voilà, je suis en mode hiver aujourd'hui. Alors comme son nom l'indique, la gamme climatique, c'est une gamme qui a été étudiée pour résister aux conditions climatiques, pas les plus rudes, mais les conditions climatiques de mi-saison. On est ici sur une tenue qui va être bien à portée entre 6 à 15 degrés. Ça tombe bien, on est bien dedans. Donc elle est polaire, elle est doublée polaire. Et sur la partie extérieure, on va avoir un textile déperlant. Donc qui va vraiment vous permettre de rester au sec. Du moins, l'eau ne va pas stagner, donc l'eau ne va pas rentrer dans le tissu. En plus de ça, Aller Cycling, il a fait ici une tenue en minimisant les coutures. Donc en minimisant les coutures, on évite les infiltrations d'eau par ces coutures, donc on reste au sec plus longtemps. J'ai pu déjà rouler sous une petite bruine incessante avec cette tenue et franchement j'étais carrément au sec à l'intérieur, ça marche vraiment très bien. Et l'effet déperlant, je vais pas pouvoir vous le montrer aujourd'hui en vidéo parce qu'il ne pleut pas, mais il marche vraiment très bien. L'eau ne reste pas sur le tissu, elle est directement évacuée. Alors je suis vraiment aussi aujourd'hui équipé de la tête aux pieds par cette presque de la tête aux pieds par cette gamme climatique. On a donc les manchettes, les jambières, le cuissard et le maillot. On est donc sur un biton parce que tous les accessoires sont noirs alors que le maillot est jaune. Ça, c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas développé les manchettes jaunes par exemple. Là, ça fait une petite rupture de couleur. Ça, c'est le petit bémol niveau style, je trouve. Question confort, cette tenue, elle est vraiment impeccable. Franchement, on a beau avoir un combo jambière cuissard, on est vraiment bien dedans. Il n'y a pas cette compression des élastiques. On est ici sur des bandes siliconées qui vont vraiment bien accrocher à la peau. Ils ne vont pas bouger dans le temps. Toute la tenue est équipée de ces fameux silicones. C'est fini la mode des élastiques qui serrent sur la peau et qui sont totalement inconfortables, qui finissent d'ailleurs par se détendre et ne plus serrer comme avant. Et alors après, vous avez l'air d'une personne qui a des vêtements trop grands, alors que non, ils sont juste un peu détendus. Maintenant, on est vraiment sur des gammes de tissus et de finition excellente à ce niveau-là. Pas de gros élastiques qui viennent serrer, des bandes siliconées ou des élastiques très larges qui viennent vraiment maintenir le vêtement directement sur votre peau ou alors ici sur la jambière. Donc ça ne bouge pas du tout. On peut enchaîner les heures et les heures de selle sans avoir de désagrément au niveau de l'entrejambe ou autre, malgré l'élastique des jambières qui monte quand même assez haut suivant votre gabarit. Aller Cycling a forcément pensé à tout. Au niveau des poches arrière, on a alors un petit rabat qui va vous permettre de fermer les poches, parce que qui dit déperlant dit eau qui ruisselle. Ici, ça va ruisseller sur le rabat et donc être évacué. Pas de problème pour les poches, c'est très bien conçu. On a en plus de ça sur le rabat une bonne réfléchissante. Lorsqu'il commence à faire sombre et même lorsque les voitures vont vous éclairer, ça va réfléchir. Pareil, vous avez une bande ici, des petits points dans le design qui sont intégrés. Tout ça, ce sont des éléments de sécurité qui vont vous permettre d'être vu sur la route. Bon, et si on ne voit pas avec cette couleur jaune déjà... Changement de décor, hein, pas l'habitude de voir des graffitis comme ça dans nos campagnes.
Comme quoi, la ville, ça permet un peu de changer d'air. Bon, pas le meilleur air par contre. Allez Cycling, si vous ne connaissez pas, je suis sûr que vous avez déjà aperçu cette marque sur nos Français lors des JO, des championnats du monde, etc. C'est l'équipementier officiel de l'équipe de France depuis maintenant des années. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont leur notoriété en France. C'est une marque italienne et qui dit Italie dans le tissu, je vous assure que l'Italie est la référence en textile pour le sport. Pour vous dire, même les Chinois viennent prendre du textile italien pour faire leur tenue. Ce sont vraiment les rois du textile de sport, c'est incontestable. Et en général, tout ce qui est made in Italy en termes de textile sportif, c'est référence de très bonne qualité et de bon savoir-faire. Ce maillot est doté de trois grandes poches, ça c'est assez classique, mais c'est à noter, elles sont quand même assez grandes et elles tiennent vraiment bien. On peut mettre du poids dedans et le poids ne va pas venir affaisser le maillot, tout reste très bien collé à notre corps et ça c'est un bon point, parce que des fois on est sur du maillot qui va ne pas permettre de mettre de la charge dans la poche, ça va se déformer, ça va risquer de tomber. Là, non, vous pouvez mettre votre smartphone à 1000 euros dans la poche sans risquer qu'à la moindre bosse, bah, il vienne sauter de la poche et le perdre tout simplement. Bon, le maillot est aussi doté d'un rabat qui va se mettre sur notre derrière pour venir rajouter une protection supplémentaire aux projections d'eau liées à la roue arrière. Ça, c'est un phénomène que tout le monde connaît. Tous ceux qui ont déjà roulé sous la pluie, au bout de 5 minutes, on est sec devant, mais l'arrière, en 2 minutes, il est trempé. Et ben, ce rabat va permettre de protéger cette zone un peu plus sensible. Parlons un peu du cuissard. Ici, on est sur une gamme de cuissards avec une peau qui est assez polyvalente. On dit des fois qu'il y a des peaux adaptées aux courtes vitesses, longues vitesses, etc. Ici, c'est simple, on est sur une peau confortable. Le cuissard, c'est vraiment son maître mot, c'est le confort. Il est très bien fitté, la peau se positionne parfaitement bien. Et cette doublure polaire le rend très agréable et bien à le porter. Il bénéficie bien sûr du même traitement que le maillot, il est déperlant. L'eau ne risque pas de pénétrer à l'intérieur de ce cuissard. Quand je dis l'eau ne pénétrera pas, bien sûr, si vous restez 3 heures sous une pluie battante, ne vous attendez pas à des miracles. Hein. C'est pas une tenue adaptée pour être entièrement étanche. C'est une tenue faite pour résister aux petites bruines d'automne et de printemps. Ces vêtements sont vraiment une valeur sûre pour vos sorties de mi-saison, ça c'est garanti. Voilà, ah, la ville, je déteste la ville. Il permet vraiment de rester au sec et au chaud, c'est ce qu'on lui demande et il le réussit très bien. Et en plus de ça, ça c'est un vrai bon plan, car en ce moment ces tenues climatiques, toute la gamme climatique des jambières en passant par les manchettes, les maillots, les vestes, et ben, c'est à moins 50%. Sur le site du distributeur, et franchement je vous mets tous les liens dans la description, mais allez checker les prix, je suis pas là pour vous les vendre hein, mais je vous assure que c'est un réel bon plan, ce sont de très bons produits et vu les prix c'est vraiment un excellent bon plan. Bon, je vous le cache pas, moi j'ai hâte de rentrer dans ma campagne parce que les infrastructures en ville c'est mignon deux secondes, mais en tant que cycliste c'est pas du tout fun. Vive la Normandie et vive la campagne normande pour rouler. Parce que là, ici, entre les voitures, les pistes cyclables à moitié faites, à moitié pas faites, la circulation, les feux, bref, je suis vraiment pas un citadin dans l'âme. Enfin, du moins, pas un citadin sportif dans l'âme. J'espère que vous aurez aimé cette présentation de produits de saison. Donc, c'est le moment de s'équiper pour le printemps. On sait jamais, hein, le printemps peut durer assez longtemps et vous aurez besoin de tenues un peu chaudes comme ça
L'avantage de cette tenue, c'est que vous enlevez les manchettes et hop, vous êtes en cours, mais ça reste chaud pour des températures de 13, 14, 15 degrés. On peut alors très facilement moduler cette tenue au gré de la météo, vent, pluie, soleil, elle s'adapte vraiment à tout, à part aux très fortes températures, car là, vraiment, avec la doublure polaire, vous risquez d'avoir très chaud. Allez, nous, on va continuer notre zigzag entre la circulation et on sort de cette ville. On sort très vite. Allez, ciao tout le monde, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. J'ai encore crevé. Il ne restait pourtant que 4 km à faire. 4 km maintenant, ce pneu Chinsen, vraiment. J'ai lu des commentaires comme quoi il était beaucoup trop fragile sur les flancs. Et je suis sûr qu'à coup sûr, je regarde où la chambre à air a crevé. Et j'en suis quasiment sûr que ça va être à nouveau sur les cloches, sur les flancs. Bon, bah allez, on démonte. Satané pneu Hutchinson, beaucoup trop fragile. Je crois qu'on va se lancer un petit défi, c'est de renforcer ce pneu Hutchinson. On va le garder, le grip est encore excellent. Donc j'ai une petite solution. On va essayer d'améliorer son pouvoir de crevaison, de non-crevaison, grâce à un petit accessoire que j'ai à la maison. Allez, c'est bon, on rentre à la maison.